Bonjour, merci de m'écouter du site Formation WordPress. À travers le site vidéo, je vais expliquer la différence entre catégorie et mots-clés. Vous, quand vous allez dans le panneau d'administration WordPress, dans la section articles par exemple, et que vous souhaitez modifier ou ajouter un article, là vous avez bien une notion d'abord de catégorie et ensuite une notion de mots-clés. Voilà. Cette notion de catégorie, vous la retrouvez là et là. C'est une notion qu'il n'y a pas pour les pages. Voilà. Déjà, c'est une première différence entre les pages et les articles. C'est ce qu'on a vu lors des vidéos précédentes. Voilà, les catégories et les mots-clés sont spécifiques aux articles. On la connaît, la différence entre les articles et les pages. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la différence entre les catégories et les mots-clés. Donc les différences, ça va être surtout une notion de hiérarchie. Ça va vraiment être autour de cette notion que là va s'axer la vidéo, vous allez voir qui est assez courte. En dehors de cette notion de hiérarchie, il y a peu de différences fondamentales. Par contre, on va voir que cette notion de hiérarchie, ça va nous permettre de faire des trucs assez sympas avec ce qu'on appelle les URL, en fait les adresses de vos pages. Donc pourquoi la notion de hiérarchie? Parce que vous allez pouvoir hiérarchiser les catégories et pas les mots-clés. Les mots-clés, parfois, surtout si vous téléchargez un thème en anglais, on les appelle les tags. Donc si je vais dans mon panneau d'administration, que je vais dans mes catégories, là j'ai bien la notion, en fait, de sous-catégorie. Quand j'ai un tiret, je suis dans une sous-catégorie. C'est-à-dire que j'ai la catégorie animation, et si je vais modifier la catégorie brocante, je m'aperçois qu'elle a un parent, qui est la catégorie, justement, animation. Si j'ajoute une nouvelle catégorie, que je pourrais appeler, comment je pourrais l'appeler? Disons, éducation, ça pourrait être une catégorie parente, je l'ajoute, et dans cette catégorie éducation, je pourrais créer une catégorie collège, qui aurait pour parent éducation. Voilà, et j'aurais bien mes tirets, et même au sein de collège, je pourrais, si je voulais, organiser encore de manière plus spécifique ce que je suis en train de faire en disant j'ai une classe de troisième qui est, elle, une sous-catégorie de collège. Voilà. Et comme ça, vous allez voir, on descend en fait dans les niveaux. Donc quel est l'avantage? L'avantage, c'est que cette notion de hiérarchie, bon, déjà, elle n'existe pas au sein des mots-clés. C'est-à-dire que si j'ajoute un mot-clé, si j'ajoute le mot-clé école, il va apparaître ici, ou alors le mot-clé éducation. J'ai pas de, je peux pas dire ce mot-clé-là, est-ce qu'il a un parent, est-ce qu'il a une sous-catégorie, etc. Donc là, j'ai voulu ajouter le mot-clé école, il s'est pas ajouté. Donc il s'est pas ajouté, je sais pas pourquoi, je vais aller dans mots-clés pour rafraîchir la page. Voilà, donc là, j'ai un petit problème, a priori temporaire, de connexion. C'est pas grave, je vais quand même, en attendant que ça revienne, poursuivre sur la notion de hiérarchie. Donc la notion de hiérarchie va vous permettre d'avoir de belles URL. Donc de belles URL, c'est quoi? C'est des adresses, là c'est ce qui se trouve ici sur Google Chrome. C'est l'adresse vers vos pages. Voilà, j'ai récupéré ma connexion. Et donc là, je vais pouvoir aller voir l'adresse de cet article. Cet article, je l'ai inclus dans la catégorie brocante, qui elle-même, souvenez-vous, est une sous-catégorie de animation. De telle sorte que si je vais mettre à jour cette page et la voir, j'ai bien ici l'adresse de mon site, l'adresse de ma page. Et donc l'adresse de ma page, je vais l'ouvrir. Donc c'est bien la page de la brocante du 18 mai 2015. Je clique ici. Et là on voit que j'ai une URL super propre. Je suis dans Office de tourisme. Je suis bien dans Animation. Animation, c'est quoi? C'est parce que c'est la catégorie parente de brocante. Ensuite, j'ai brocante, et ensuite j'ai le titre de l'article. Pour faire ça, j'ai dû faire une petite bidouille, disons une amélioration à mon blog. Donc je vais vous montrer quelle est l'amélioration, parce que si vous ne faites pas cette amélioration, et bah votre gestion des catégories aura pas, en fait, votre hiérarchie n'aura pas grand intérêt. Donc vous allez voir, j'ai été dans réglages, permaliens, et souvenez-vous, on avait déjà été une première fois ici, et j'avais mis dans structure personnalisée, j'avais simplement mis post name. Ce qui m'avait conduit à avoir des adresses un peu mieux que ce que fait WordPress initialement, avec le titre de mon article. Là, j'ai encore amélioré la chose, puisque avant post name, j'ai rajouté slash catégorie entre pourcentages. Et j'ai enregistré.
de telle sorte qu'en rafraîchissant mon site internet, j'ai bien eu ces nouvelles adresses. Donc si je publie un article que je mets dans aucune catégorie, un article de test, vous allez voir que là, mon URL, elle sera pas top, parce que mon article de test, il est dans la catégorie non classée. Voilà. Donc si vous n'êtes pas trop au point sur sur tout ce qui est catégorie, dans ce cas-là, vous pouvez rester sur l'ancien format de permalien, c'est-à-dire vous enlevez slash catégorie, vous mettez juste ça, slash post name, vous enregistrez, et là vous verrez que si je rafraîchis mon article de test, j'ai plus non classé. Voilà, donc il y a vraiment surtout cette différence qui est fondamentale. En dehors de ça, je peux dans le menu, si je veux, ajouter ma catégorie animation, donc je l'ajoute au menu, et j'enlève... Hop, je la mets là et je vais enlever cette catégorie brocante. Dans ce cas-là, j'enregistre mon menu. Je rafraîchis la page. Mais là, je vois que j'ai beau avoir des sous-catégories pour ma rubrique animation. Ça m'a pas fait de petite liste déroulante. Voilà. Donc ça, vous verrez quand on parlera des thèmes. Il y a certains thèmes qui vont pouvoir comprendre que comme animation a des sous-catégories, la catégorie brocante en l'occurrence, eh bien, cette sous-catégorie doit être affichée dans le menu. Voilà. Cette notion d'hierarchie, ça permet de faire en sorte que quand je clique sur animation, souvenez-vous, mon article de la brocante du 18 mai, il est rattaché à la catégorie brocante, pas à la catégorie animation. Pourtant, si je vais voir la catégorie animation, j'ai bien mon article de la brocante du 18 mai 2015. Chose qui n'aurait pas été possible avec les tags. Voilà. Avec les tags, j'ai un tag, un mot-clé qui s'appelle place du village. Soit j'y rattache mon article, soit je le rattache pas, mais vu qu'au sein des mots-clés, il n'y a pas d'hierarchie, voilà, je peux pas indirectement afficher un article sur un mot-clé auquel il n'est pas rattaché. Alors que sur une catégorie, je peux le faire. Indirectement, quand je clique sur animation, eh ben, j'ai des articles qui ont en fait été publiés dans la catégorie brocante. Voilà la différence. Donc, elle n'est pas non plus extrêmement fondamentale. Les catégories, au final, sont faites pour regrouper des articles sur des sujets larges. Les mots-clés, eux, on peut dire qu'ils sont plutôt faits pour regrouper des articles sur des choses très spécifiques, très précises. Voilà. Si vous avez beaucoup d'articles qui parlent, par exemple, de la classe de 3e que vous pourriez avoir au sein de votre ville, dans ce cas-là, mieux vaut une catégorie. Parce que c'est quand même un sujet large. Si vous avez beaucoup d'articles, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. Par contre, si vraiment de temps en temps, c'est-à-dire 4 à 5 fois par an, vous avez des articles qui parle de politique, dans ce cas-là, vous pouvez leur associer le mot-clé politique, mais ça ne sert à rien de faire une catégorie politique si en fait il n'y a pas de quoi alimenter en fait cette catégorie. Donc à mon sens, je dirais que les catégories regroupent plutôt des sujets larges et les mots-clés des choses plus spécifiques, plus précises. En dehors de ça, il y a peu de différences, même pas du tout. Voilà, avec les catégories, vous pourrez avoir des meilleures URL, des URL en fait qui seront mieux pour le référencement. Donc je vous conseille d'utiliser d'abord les catégories dans tous les cas, et ensuite vraiment les mots-clés. Généralement, l'utilisation des catégories se fait assez facilement, assez clairement, voilà, sans trop y penser. Donc c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de conclure cette vidéo, sur le fait que d'une manière alors très générale, les catégories ont plus de visibilité. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très bientôt pour la suite.